et messieurs, je voudrais, au nom des partenaires techniques et financiers du secteur de la santé en Côte d'Ivoire, saluer une fois encore le leadership et la détermination du gouvernement de la Côte d'Ivoire pour les efforts entrepris dans la protection des populations contre les différentes maladies à prévention vaccinale, et ce, à travers son excellence Monsieur le Premier ministre et Monsieur le ministre de la Santé. Ce jour marque une étape importante et historique. En effet, il garantira sans aucun doute que nos enfants survivront non seulement au-delà de leur premier anniversaire, mais parviendront désormais à leur âge adulte en bonne santé grâce à cette intervention innovante dans la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire où la réponse sanitaire se renforce davantage par l'introduction du vaccin antipaludique dans le programme élargi de vaccination de routine avec les activités de vaccination qui débutent aujourd'hui. Mesdames et messieurs, le paludisme est une maladie endémique, c'est-à-dire qui est toujours là, transmise par la piqûre de moustiques infectés. La transmission se produit tout au long de l'année, de janvier à décembre, mais avec souvent des augmentations pendant la saison des pluies. Donc nous sommes en plein dans la saison des pluies. Et les principaux facteurs qui contribuent à la charge du paludisme sont l'efficacité du vecteur à transmettre le paludisme d'une personne à une autre, certaines conditions de notre environnement de vie qui entraînent une exposition accrue aux piqûres de moustiques et l'accès limité des populations à des services de prévention et de traitement de qualité. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, le paludisme peut être évité. Il peut aussi être traité efficacement. Les objectifs au niveau mondial sont de réduire la charge de la maladie et les décès associés à au moins 90% d'ici 2030, dans la vision de l'élimination du paludisme et à terme son éradication à l'échelle mondiale. Or, le paludisme demeure encore un problème majeur de santé publique, malgré les avancées et les efforts importants des gouvernements et des partenaires. C'est dans la région africaine, malheureusement, où se concentrent 94% des cas et 95% des décès que la charge du paludisme reste la plus lourde. Et les enfants, particulièrement vulnérables, chaque année, près d'un demi-million d'enfants meurent de paludisme en Afrique. En Côte d'Ivoire, bien que le nombre de décès liés au paludisme ait régressé significativement, l'incidence a augmenté dans la population générale, mais aussi chez les enfants de moins de 5 ans. Dans la plupart des pays africains, et vu la résistance du vecteur aux insecticides, d'importantes interventions de lutte contre le paludisme sont en cours de mise en œuvre. On peut citer le déploiement à grande échelle de moustiquaires imprégnés d'insecticides, surtout de seconde génération, la pulvérisation d'insecticides à effet rémanent à l'intérieur des habitations dans certaines zones à haut risque de transmission, la chimioprévention du paludisme chez les femmes enceintes, la chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants vivant dans des zones de transmission fortement saisonnières, le diagnostic rapide au moyen d'un test de diagnostic rapide TDR de qualité avérée ou d'une microscopie de qualité, le traitement des patients avec des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine efficaces et l'amélioration de l'accès à ces traitements au niveau communautaire. On estime que 2,1 milliards de cas de paludisme et 11,7 millions de décès dus à une infection palus ont été évités mondialement en 2000 et 2022 grâce à l'intensification
de ces interventions de lutte contre le paludisme. En effet, il faut savoir qu'aucune de ces interventions de lutte contre le paludisme n'est suffisamment efficace pour être utilisée seule. Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'OMS a préqualifié deux vaccins antipaludiques, dites RTSS-AS01 et R21 Matrice M, dont l'usage est recommandé. Tous deux sont des vaccins qui préviennent l'infection au Plasmodium falciparum chez l'enfant, notamment les cas de maladies et de décès associés. Ensemble, saluons chaleureusement cette solidarité mondiale sans précédent qui nous laisse espérer que désormais, tous les problèmes majeurs de santé publique trouveront une réponse solidaire, spontanée, sans aucun calcul, avec pour seul objectif protéger les populations, sauver des vies, ne laisser personne de côté. La Côte d'Ivoire fait partie des pays avec un niveau de transmission du paludisme très élevé, stable, avec des pics en saison pluvieuse. Et la décision salutaire du gouvernement de la Côte d'Ivoire d'introduire le vaccin antipaludique dans le programme élargi de vaccination de routine est une preuve de votre engagement que je voudrais saluer ici à l'occasion de cette cérémonie et au nom de l'ensemble des partenaires techniques et financiers. Merci. Donc, ces partenaires, y compris la société civile et le secteur privé, ont accompagné la Côte d'Ivoire tout au long du processus de préparation pour l'introduction de ce vaccin dans le programme élargi de vaccination. Et ils continueront à vous encourager à aller encore de l'avant dans la couverture universelle de cette stratégie afin d'anticiper les questions d'équité en santé qui pourraient émerger. La Côte d'Ivoire devient ainsi le premier pays francophone en Afrique de l'Ouest à délivrer au public le vaccin contre le paludisme. Ça mérite des applaudissements. Excellence, Monsieur le Premier ministre, avec votre leadership et l'engagement de votre gouvernement et des acteurs du niveau opérationnel, les partenaires techniques et financiers nourrissent l'espoir de voir une Côte d'Ivoire débarrassée du paludisme en 2030. Nous invitons donc solennellement nos leaders communautaires, nos élus locaux, à œuvrer davantage pour que les parents se mobilisent pour faire vacciner leurs enfants âgés de 6 à 23 mois avec ce vaccin efficace recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Nous rêvons tous de voir nos enfants grandir, aller à l'école et devenir des hommes et des femmes épanouies dans leur vie, de grands messieurs et de grandes dames, comme on dit. N'écoutez pas les fausses informations tendant à faire croire que ces vaccins ne sont pas bons, qu'ils ne sont pas efficaces, ou que c'est pour rendre nos filles stériles et j'en passe. Ce n'est pas vrai. Je vous le confirme, ces vaccins sont efficaces et sains. C'est sur cet appel à la mobilisation autour du vaccin contre le paludisme que je renouvelle l'engagement et la disponibilité de l'ensemble des partenaires du secteur de la santé à accompagner les efforts du gouvernement pour la santé de nos communautés en renforçant la communication autour des médias et des professionnels de la communication pour remporter le combat d'élimination du paludisme à travers la contribution de ce vaccin. Je vous remercie. Annie Thier.